Ils sont là, partout. Vous ne les voyez pas et pourtant ils attendent d'agir, tapis dans l'ombre. Ils n'ont ni visage ni président. Ils lancent des cris de singe, envahissent les terrains, frappent les arbitres ou détruisent les sièges en déplacement. Ils sont la cohorte des pseudo-supporters. Et en fait, pire que tout, ils sommeillent en chaque ultra ou fan lambda. Car à l'instar d'un fou qui, au travers du vidéo arbitrage, poursuit la quête d'une justice parfaite se cassant les dents sur des joueurs, ils sont l'humanité malheureuse et souvent attristante de notre foot populaire. Car dans un monde parfait, les ultras sont polis et respectueux quand ils encouragent leur club. Les joueurs respectent les décisions de l'arbitre et attendent sagement que la vidéo sanctionne scientifiquement. Les présidents ne mentent pas ni ne magouillent jamais. Sauf que notre foot est dans le dur d'une société qui ne se construit pas qu'avec, lire la suite sur sofoot.com.